Yo les potes, c'est une nouvelle boutique du 19 octobre 2020. C'est parti le petit décompte. J'espère qu'il y aura les danses d'Halloween. Alors, eh ben non, y a que dalle. Super. Alors par contre, il y a le nouveau skin Grimoire au prix de 1500. Les liqueurs avaient dit qu'ils sortaient aujourd'hui en plus, mais j'avais oublié. Ok. J'aime juste la capuche comme ça, je trouve elle est stylée. Mais du coup, je vais pas l'acheter parce que je la voulais pas de base. Et le petit hologramme dans le dos. Ok. Normalement, il y a une pioche. Faux. D'abandon. Normalement, j'achète toutes les faux, mais ça, c'est pas une vraie faux. En plus, elle est un peu moche. Ensuite, le skin Penny qui fait son retour avec une petite custom d'Halloween. Au final, j'ai même pas joué avec. Le skin est un peu trop gros. Songe au prix de 1200. Ok. Luminos. Ok, pas beau. Hache astral. Le petit revêtement et le planeur gratuit. Enfin, il est plus gratuit maintenant. Ensuite, on a. Le truc du cowboy vampire un peu. Au prix de 2000. Le détrousseur. À droite. Oh! Bah il y a le retour de Larzac. C'était combien? Le troisième ou le deuxième skin le plus rare de Fortnite. Dans la boutique je parle. Ok. Bah il est moche mais c'est stylé. Ok, le retour. Ensuite, effet nacré au prix de 300 de nouveaux revêtements. Ok, c'est moche. Désossé. Pareil, celle-là, ça fait longtemps. Ok, ils ressortent des vieux trucs, mais pas beau. Mécano, skin tryhard, dab infini. Et pour finir, exercice Shaolin au prix de 200 V-Bucks. Et à droite, le pack d'art de ville, tout le pack ghoul et le pack de la sorcière. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et pensez au code créateur NSU dans la boutique Fortnite. Ciao!